Science. Famalisme, au sud-est du Maroc. Le climat est ici difficile. Les chutes d'eau sont rares. L'endroit est menacé par la désertification, tout comme le serait 80% du Maroc. Les conditions de changement climatique sont notamment visibles dans des endroits comme Tanzida. Dans l'oasis, quand il pleut, on se retrouve avec des pluies orageuses qui ne sont pas bénéfiques. Avant, il y a 30 ou 40 ans, la largeur de la rivière Hajjaj était de 10 mètres. Mais aujourd'hui, dans quelques endroits, la largeur peut atteindre 500 mètres. Pour le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, la rareté de l'eau et le déplacement des dunes représentent le défi principal à relever. Et paradoxalement, sécheresse rime souvent avec inondation. Personne ne nous aide. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'eau et la rivière et les puits commencent à s'assécher. Où allons-nous chercher de l'eau? Nous avons besoin d'un peu d'aide pour être encouragés. Le Haut Commissariat marocain vient de développer un plan décennal pour lutter contre la désertification. Il entend aussi reboiser les régions et régénérer les zones touchées par les incendies.